Avec la République Champs-Élysées. Champs-Élysées, voilà l'Arc de Triomphe. Ça vous parle, l'Arc de Triomphe? Juste. Et là, c'est ce qu'on a vu, je suis catégorie de la victoire. Ça représente l'idée de la victoire. Et lui, c'est quelle époque? 1780. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? 1780. Couronne de Donc la couronne de laurier, c'est plutôt quelle époque ça? Je sais pas ce que c'est. Très important, dans chaque triomphe, il y a une foule qui acclame le vainqueur, le héros. Qui c'est qui a trouvé le cas le plus violent à compagnie? Les orages. Les moyennes sont fortes de débris. Ça coûte moins cher de vendre qu'un bain. D'accord? Donc quand vous vous brossez les dents, vous laissez couler l'eau, pareil. Super! Ça s'appelle des gestes éco-citoyens, éco-économisés. Sachez que sur Terre, vous êtes plein d'eau dans le corps. Vous êtes rempli d'eau, de sang, plein de choses. Et le corps est rempli à 80% d'eau. On utilise du bois et du papier récupéré. Quand on parle des arbres, il faut savoir qu'on ne détruit pas les forêts. C'est très important de retenir ça. On utilise ce qu'on appelle le bois d'éclaircie. Alors je vous explique. C'est quand on nettoie les forêts, le bois qu'on extrait, voilà, quand on nettoie la forêt, c'est ce bois-là qu'on utilise. C'est les petits arbres qui ne poussent pas, on se sent malade, on est pas comme ça. La première question. Le nom de ma brochure, c'est monsieur. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ah oui, voilà. Ils sont forts.